Good morgen, Alei, Dan et tu seras aujourd'hui Elohim, Nishmat Avraham Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther et Moshe Ben Yaakov, Taraba Kohen. Si vous souhaitez vous aussi d'aider, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Ktuvot, Perek Tet, Mishnah Tet. Otsi Aget, Ven Imo Ktuva, Gova Ktuvata, Ktuva, Ven Imaget, Hi Omeret, Avad Giti, Vehu Omer, Avad Shovari, Vechen Balchov, Shotsi Shtar Chov, Ven Imo Prozbul, Are Elu, Loi Pareu. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Minasakana Ve'elach, Isha Gova Ktubata, Shelo Beget. On a une longue Mishnah, on s'arrête là déjà pour le moment. On commence à introduire. Mishnah relativement simple, il faut juste comprendre le principe. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de. Quand on empruntait de l'argent à quelqu'un, il n'y avait pas de notaire ou d'avocat pour faire signer des contrats. Il y avait des halakhot spécifiques. Comment on écrit un contrat entre deux personnes? On fait signer en dessous deux témoins cachers, et puis. Je vous donne ce papier, vous le gardez précieusement chez vous, et grâce à lui, vous allez réclamer votre argent. Si vous ne sortez plus le papier pour lorsque vous réclamez votre argent, eh ben, je ne suis pas obligé de vous payer. Parce que moi, je veux bien vous faire confiance, mais je vais vous payer. Puis après, au ménage de Pessah, dans 3 ans, on va finalement retrouver le contrat quelque part, et on va le ressortir, et on va venir me réclamer de l'argent. Même si vous êtes très honnête à les savoir après vos 120 ans, quand ça arrivera, et à votre fils, il va tomber sur le contrat, il va venir réclamer l'argent à mes enfants aussi. Alors, donc, moi, pour le moment, en l'état, tu ne sors pas le contrat, je ne te paye pas. Et après, il m'a marqué dans la Gemara, est-ce qu'on m'impose à écrire, à payer l'argent, et en contrepartie, je reçois un reçu. Parce que même ça, il y en avait qui pensent que je peux refuser. Parce que moi, je vais garder le reçu pendant combien d'années? Peut-être que finalement, dans 35 ans, vous allez ressortir le contrat, et moi, le reçu, vous allez, chaque fois que je vais déménager, je vais garder mon reçu, vérifier à ce qu'il soit bien conservé. C'est une marque dans la Gemara sur ça. Ça, c'est la problématique en général. Maintenant, on va expliquer comment ça se passe pour la femme qui divorce. La femme qui divorce, elle, alors d'abord le mari lui écrit un guet, et après qu'elle écrit un guet, elle ressort la ktouba qu'on avait écrit sur la choupa. Sur la choupa, le mari l'a écrit, la femme est ktouba. Lorsque je te divorçais, je te donnerai tant et tant et tant. À part les mané mataïm, les 112 ou 212, il peut même aussi rajouter de l'argent dessus. Maintenant, lorsque la femme elle vient elle réclame, elle dit, bon, tu m'as divorcé, maintenant il faut me payer. La ktouba, elle doit venir nécessairement avec sa ktouba dans les mains. Si elle vient sans la ktouba, elle ne pourra pas réclamer. Maintenant, il y a quand même un cas de figure, c'est qu'il y avait un endroit où il y avait des endroits à l'époque où on n'écrivait pas de ktouba. Et ça avait le même statut que la ktouba. Parce qu'en fait, le Beddin avait décrété que tout mari qui marie une femme, eh bien, il s'impose à lui donner un cas de divorce, telle somme. Et on n'écrivait pas de ktouba, c'est tout. Ça s'appelle un tnaï Beddin, c'est tout ce qui était imposé et décrété. C'est, même si on n'écrit pas, c'est comme si c'est considéré comme si c'est écrit, c'est resté au Beddin. Maintenant, dans les endroits comme ça, alors la seule preuve que la femme avait que le mari n'a pas ktouba sa ktouba, c'est son guet. Or, c'est un problème. Parce qu'une femme qui a reçu le guet, elle a intérêt à le garder, ce guet. Parce que peut-être qu'elle va vouloir partir finalement, refaire sa vie en Amérique, et elle va devoir apporter son guet pour nous dire qu'elle a été divorcée. Donc, il faudrait lui laisser le guet dans la main. Si on lui laisse le guet dans la main, elle va me dire, hey, tu ne m'as pas payé ma ktouba, et moi je lui ai payé une première fois. Et après, elle va me ressortir dans 3 ans, elle me dira, tu ne m'as toujours pas payé ma ktouba. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y avait un usage, une fois qu'elle paye, que je lui paye la ktouba, eh bien, on déchire ce shtar et on écrit un papier, un certifié du beddin que cette femme, elle vient d'être divorcée, et puis elle va se remarier grâce à ce papier. D'accord? C'est l'usage. Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le cas de la Mishnah. Otsi aget ve'enimo ktouba. Elle sort un get et elle n'a pas de ktouba parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de ktouba. Alors là, la Mishnah nous dit, premièrement, si elle ressort sa ktouba, eh bien, elle pourra être gova ktoubata, elle pourra se faire encaisser. Elle pourra encaisser sa ktouba. Le mari devra la lui payer. D'accord? Tant qu'elle a le gars dans la main, il faut la lui payer. Comme on a dit, la solution qu'il a, lui, c'est de. Qui demande au Beddin de déchirer ce guet et de lui écrire à la place un papier certifié comme quoi elle a bien été divorcée en bonne et due forme. Et c'est tout. D'accord? Maintenant. Ktouba. Ve'en ima guet. Elle sort sa ktouba, mais elle n'a pas de guet. Ouais, on parle maintenant du cas contraire. Une femme, on sait très bien qu'elle a été divorcée, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont séparés, et lui il vit ici, l'autre, elle vit ici, lui il a l'autre bout de la ville. Tout le monde sait très bien, il y a eu un guet, on ne connaît pas les détails de l'histoire, mais on sait qu'ils sont divorcés. Et après 5 ans, elle l'amène au Médine, elle dit, bon, mais tu m'as toujours pas payé ma ktouba, regarde, j'ai la ktouba que tu m'as donnée, que tu m'avais écrit sur la choupa. Maintenant, alors le mari lui dit, bon, écoute, moi je veux bien te payer, mais où il est ton guet? Mais il y a Omeret, Avad Giti, je l'ai perdu, mais tu me donnes l'argent. Bon, mais non, pas du tout. Avad Shovari. Il a été perdu mon contrat, mon reçu. Soit
En fait, en réalité, le mari, il lui dit, c'est vrai que tu as fait Ketouba dans la main, mais il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. C'est que tu étais venu réclamer ton guette, il prétend comme ça. Tu t'es venu réclamer ton guette. Quand tu as reçu ton guette, tu étais venu réclamer ta Ketouba. Et tu m'as raconté des histoires que tu n'avais pas ta Ketouba. Finalement, moi, je te l'ai payé. Et en contrepartie, tu m'avais donné un chauvard. Et pour me donner le chauvard, j'avais réclamé qu'on te déchire ton guette et qu'on t'écrit donc le fameux certificat que tu as été divorcé. Et en contrepartie, donc, j'ai accepté, selon ces conditions, que tu m'écrives un reçu. Et maintenant, ce reçu, je ne le trouve pas. En fait, on se retrouve en position où elle a sa Ketouba sans le guette. Elle dit, mais tu ne m'as pas payé. Et lui dit, non, je vais t'expliquer. Tu n'as pas de guette parce que tu n'as plus de guette parce que je te l'ai fait déchirer. Et moi, on m'a écrit un chauvard. Et moi, c'est le chauvard, c'est le reçu. Et ce reçu, je ne le trouve plus. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais toi, tu n'as pas de guette pour réclamer. Alors, la Mishnah va me dire qu'on va donner raison au mari cette fois-ci. Même principe aussi, vous savez qu'à la fin de la Shemitah, les dettes ont été annulées, sauf si on a écrit un prosboul. Maintenant, moi je veux voir Réhouven et je lui dis, regarde, il y a écrit ici que tu me dois 1000 shekels, il y a un shtar. Et quand il y a la fin de la Shemitah, j'ai écrit un prosboul, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Et Réhouven, lui, il prétend, il me dit, mais non, pas du tout. Tu n'as pas écrit de prosboul, je le sais. Dans tous ces cas de figure, un réloïpareou, l'homme ou le créancier ne pourra pas récupérer leur la femme ou le créancier ne pourront pas récupérer leur argent, ils sont en position de faiblesse, parce que tu apportes certes une preuve que je te donne l'argent, mais c'est une preuve qui n'est pas assez bonne, parce que sans l'autre papier, alors peut-être que je te dois rien. D'accord? C'est le principe. Là, malgré tout, c'est pas retenu pour la halakha pour l'histoire du Prosboul Ken. Maintenant, comme ça va être selon deux frères, Rabbi Shimon, Rabban Shimon ben Gimel Alomer, Minasakan Avelach, Isha Govak Tobata, Shelo Beget, ou Balchok Gove, Shelo Beprosboul. Rabban Shimon ben Gamliel vient, il ne discute pas, il nous rapporte juste une nouvelle donnée, que depuis Minasakana Velar, depuis qu'il y a eu les décrets contre les juifs et au-delà, eh bien, toute femme, Isha Govak Tubata, Shelo Baguet, une femme peut réclamer sa Ketouba sans le guet, et un Baal Chov, un créancier, peut réclamer son argent sans, même si elle n'a pas de prosboul. Parce qu'en réalité, ça se passe comme ça, il y avait un décret. Il y a eu des décrets, ouais, à l'époque en Israël, que c'était des Romains, ou je ne sais pas qui c'était à l'époque, j'imagine si c'était Rabban Shimon ben Gamliel, c'était un des martyrs, Rabban Shimon ben Gamliel. Il y avait un... Donc, lui, donc à son époque déjà, lorsqu'un mari divorçait sa femme, il ne fallait surtout pas laisser des traces qu'il a divorcé, parce que chez les Romains, quand on se marie, on fait rentrer, on fait sortir, et puis c'est pas... vous les Juifs, avec vos usages de donner des papiers et tout ça, ça ne leur plaisait pas, et donc du coup, on donnait le guet en cachette, et on déchirait vite le guet. Donc de ce fait, puisque et idem aussi pour le prosboul, tous les usages juifs, ils ne laissaient pas les appliquer comme il fallait. Donc on les faisait en cachette, après on les déchirait vite, on ne laissait aucune trace. Depuis cette période-là, et bien dans ce cas-là, toute femme peut sortir sa Ketouba et la réclamer, même si elle n'a pas son guet. Et idem pour tout créancier qui peut sortir son shtar et réclamer son argent. D'accord? Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah. Maintenant on va parler, peut-être je le fais d'abord oralement, comme ça ça va aller plus vite. D'abord je dis. Shnegitin ou Shtektuvot, Gova Shtektuvot. Shtektuvot veget echad, o ktuva veshnegitin, o ktuva veget vomita, ena gova ela ktuva, achat, shabigrashet ishto vechazira, almenat ktuva rishona machazira. De quoi on parle? On parle qu'en fait, il y a une femme, d'abord, le cas simple, une femme qui va sortir, qui va venir réclamer à son mari, elle lui dit, regarde, tu m'as donné deux fois le get, et j'ai deux ktuvot. On s'était marié en Tafshin Ayin Bet. Et tu m'as divorcé en Tafshin Ayin Dalet. Regardez un guet de Tafshin Ayin, un Ketouba de Tafshin Bet et un guet de Tafshin Ayin Dalet, premièrement. À part ça, Tafshin Ayin Chet et Tafshin Pe, tu m'as remarié, tu m'as écrit une deuxième Ketouba et maintenant tu m'as redivorcé. Et tu m'as toujours pas payé dans Tafshin Pe Gimel, j'ai tout ça dans les mains, tu me dois maintenant la double Ketouba. Tu dois me les payer, eh bien, effectivement, Gova Shne Ketouvot. Elle pourra réclamer deux Ketouvot et les recevoir, il n'y a aucun problème. Par contre, Shtei Ketouvot veget echad. Si elle va nous sortir, regarde, il y a deux Ketouvot. Une que tu m'as écrite en Tafshin Ayin Bet, et une autre que tu m'as écrite en Tafshin Ayin Chet, parce qu'en fait, on sait très bien que tu m'avais divorcé. La preuve, ok? Et maintenant, elle a juste un seul get. Soit le premier, soit le deuxième, ça change rien. Ouais? Elle a juste, plutôt même le deuxième, je pense quand même que c'est plus, ça sera plus facile d'expliquer comme ça. Mais regarde, maintenant, tu m'as divorcé, et puis, si en Tafshin Ayin Chet, tu m'as remarié, c'est parce qu'en fait, entre Tafshin Ayin Bet et Tafshin Ayin Chet, tu m'avais divorcé. Donc en fait, maintenant, j'ai deux Ketouvot que tu me dois. Tu
Pardon. Tu m'as divorcé deux fois. Et tu ne m'as toujours pas payé. La preuve, c'est que j'ai les deux ktoubot dans les mains. Ou encore, dans ce cas-là, on va lui payer comme tout le monde, on va expliquer à la fin pourquoi, mais d'abord, il y a encore les autres cas. Ou encore, ktouva ou shnegitin, ou bien encore un autre cas. C'est que la femme, elle sort une ktouva de tafshin aïn bet avec un get de tafshin aïn. On a dit quoi, dalet? Et après, un autre get de tafshin p, mais il lui manque la ktouva de tafshin aïn tret. Donc en fait, elle a deux ktouvot et un get. Plutôt, elle a une ktouva maintenant et deux get. Une ktouva et deux get. Donc tu m'as redivorcé. Donc en fait, elle dit, écoute, si tu m'as divorcé, pour chaque divorce, en théorie, tu devrais me payer une ktouva. Puisque j'ai une des preuves, comme on a dit dans le début de la Mishnah. Soit j'ai le get, soit j'ai la ktouva, ça suffit finalement pour pouvoir réclamer ma ktouva. Donc maintenant, paye-moi s'il te plaît. Même si ça ne te plaît pas. Et ben la Mishnah me dit maintenant, elle ne pourra se faire encaisser qu'une seule ktouva. Pour quelle raison? Parce que celui qui divorce sa femme, et il se remarie avec elle, si pendant, entre le divorce et le remariage, il n'a pas encore versé sa ktouva, lorsqu'il la marie, c'est pas avec intention de s'engager à payer une nouvelle ktouva, mais c'est que avec intention que ce que je te devais finalement, tu le réinjectes dans la société entre nous là, et lorsque je te divorce, je te paye ce même argent. C'est-à-dire, je me suis engagé à payer à 100 000 à ma femme en cas de divorce. Je la divorce. Après 2 ans, on se remarie. Et je ne vais toujours pas payer les 100 000. Eh bien, quand finalement je la redivorce à la fin, on ne va pas dire que chaque fois que je la remarie, je dois lui payer à chaque fois 100 000 ou même 100 000 plus 100 euros. Non, rien du tout. Si jamais elle n'a pas réclamé son argent tant qu'elle a été divorcée, quand elle se remarie avec l'intention que l'argent maintenant, on annule en quelque sorte la première dette, puis maintenant on relance l'affaire entre nous. D'accord? Ok? C'est ce que la Mishnah me dit, donc c'est avec intention de la première ktouva qu'il la reprend, et donc dans ce cas-là, il ne devra pas payer une deuxième ktouva. C'est pour ça que même t'as beau sortir même deux gitines que je t'ai divorcé deux fois, il y avait une seule ktouva, ou même si tu sortes les deux ktoubot avec un seul get, là c'est un peu différent. Ça me manque un petit peu de précision sur ça, une seconde. Chaque ktouva de Kadmon la guette. En fait, ouais, c'est ça, non, c'est encore une autre histoire. Il manquait un détail, ça m'échappait quand j'ai préparé le cours, excusez-moi, quoi. Donc, deux guettes avec une seule ktouba, sur ce, on lui dit non, peut-être que finalement, il ne s'est pas encore échappé une deuxième ktouba pour le deuxième remariage. Pour le remariage. Par contre, si c'est deux ktoubot avec un seul guette, en réalité, peut-être que vous avez été marié qu'une seule fois, il n'y a pas eu deux histoires pour vous. Ah, mais pourquoi il t'a écrit une deuxième fois? Il t'a écrit une deuxième fois parce qu'il y a toutes sortes de situations, on ne va pas rentrer dans les détails de que la Gemara évoque, que pourquoi un mari, c'est possible qu'il a écrit une première ktouba à sa femme, et 5 ans après, finalement, il a écrit une deuxième ktouba à sa femme. Des fois, c'est pour lui donner plus d'avantages, plus de droits. Il faut savoir que des fois, elle peut gagner des droits grâce à ça. Et lui, il a voulu lui faire plaisir. Il a voulu lui donner le guette. Et j'avais entendu un cas, je ne sais pas si je sais pas comment c'était tranché finalement, mais qu'il y avait un beau-père qu'au début, sa fille, elle s'est mariée, et puis le mari, il s'est engagé à donner une certaine somme à la ktouba. Et après, le père, il a voulu faire cadeau une maison au jeune couple. Et vous imaginez bien, il n'a pas envie de donner, que peut-être qu'un jour, allez savoir ce qui va se passer, puis finalement, il va. Tant que c'est sa fille, alors il veut que ça. Et donc il a demandé à écrire une nouvelle ktouba. Je crois qu'ils avaient dit que non, je crois que le rabbin lui avait dit de ne pas refaire une ktouba, mais juste d'écrire ça en tant que reconnaissance externe. En tout cas, vous voyez la situation, parce que dans une situation pareille, peut-être qu'on pourrait réécrire. Il faudrait réécrire une ktouba. C'est ce qui s'est passé. Même si tu as écrit deux ktoubot, en réalité, peut-être qu'il n'y a pas eu de mariage dans l'histoire. Il y a eu une seule fois un mariage. Il t'a écrit une première fois, puis finalement, il t'a écrit une deuxième avec intention que la première s'annule, la deuxième elle prend effet, ou encore que selon la nécessité, tu préféreras la première ou la deuxième à ton avantage. Donc ça ne veut pas dire qu'il lui a deux ktouvot, il lui a qu'une seule ktouvot, d'accord? Et dernière partie de la Mishnah maintenant, Katan, chez Sio, Aviv, Ktubata Kayamet. Là on parle d'une situation un petit peu délicate. C'est qu'en fait, vous savez qu'un enfant, il ne peut pas se marier. Qu'il n'a pas 13 ans, il ne peut pas se marier, il n'a pas de date pour être connu. Maintenant, Chachamim ont instauré qu'un enfant, à partir de 9 ans, il peut quand même se marier. Et c'est que Midrabanan. D'accord? Maintenant, on va poser la problématique. Vous savez que quand on marie une femme, Betoula, une vierge, on veut lui donner 200. Mais lorsqu'on la marie et qu'elle a déjà été Betoula, elle a déjà eu un rapport avec quelqu'un, on ne lui donne plus que 100.
On lui donne que 100 octobas. Alors regardez la problématique maintenant. Un enfant, un père, il va réussir à marier son enfant Midarabanan avec une femme. Entre-temps, la femme, elle n'est pas vierge. Puisqu'il est marié avec elle, l'entretien de rapport avec elle. Donc elle n'est plus vierge. 3 ans passent, 4 ans passent, arrive son âge de 13 ans. Quand il a 13 ans, on va lui faire faire un remariage Midoraita. Lorsqu'il va se remarier avec elle, maintenant il s'avère qu'il se marie avec une femme qui est plus vierge, puisqu'il a eu des rapports avec elle. Alors combien devra lui payer de Ktuba? 100 ou 200? Sur ça, la Mishnah vient nous dire « Katan chesiyo aviv Ktubata kayemet ». Lorsqu'un père marie son fils, et qui fait que maintenant il s'engage en cas de divorce, il devrait lui donner 200. Si après, le petit va grandir, ils vont faire donc, ils vont renforcer le mariage quand il va arriver à l'âge de 13 ans, ils vont faire un vrai mariage Midoraita. La première Ktuba qui s'est engagée à payer, quand elle est encore vierge, et bien encore Kayemet, elle reste encore, pourquoi? Shalmenat Ken Kiima, car c'est avec telle intention qu'il s'est remarié, même si on ne peut pas préciser combien il s'engage à donner, il devra donner ce qu'il s'est engagé à payer déjà depuis la première fois, d'accord? Même principe, avec un grand chidouche pour moi, regardez, je traduis, après vous allez voir, Ger, Shenit Gayer, Veishto Imo. De même aussi avec un goy qui se marie avec sa femme, qui se marie avec lui, qui se convertit avec lui. Un converti qui se convertit avec sa femme. Et elle, ben, Ktubata Kayemet, sa Ktuba, elle est Kayemet, Shalmenatken Kima, parce que c'est avec cette avec intention de la première Ktuba qui s'est engagée. En fait, on parle, en fait, je ne savais pas que les goyim aussi écrivent des Ktubot, c'est un grand fidouche pour moi. Et donc, en fait, lorsqu'elle était goy, il s'est engagé à donner à sa femme, Christine, ouais, lui c'est Christophe et elle c'est Christine. Ils ont décidé de lui donner tant et tant parce que elle incarne la Vierge. Donc du coup, il veut le donner. Puis après 10 ans, ils se convertissent. Et maintenant ils deviennent Abraham et Sarah. Et maintenant ils deviennent Abraham et Sarah, mais maintenant ils vont devoir se remarier selon la Torah. Maintenant ils se remarient, ils précisent rien pour la Ktouba, est-ce qu'ils s'engagent ou ils ne s'engagent pas, on ne pose pas de questions. Après, malheureusement, dispute, quelques années, ils divorcent. Combien devra lui donner? 100 ou 212, ou bien est-ce qu'il devrait lui donner ce qu'ils s'engageaient à lui payer quand ils étaient goy? Sur ça, la Mishnah vient me dire, il devra lui donner le prix qu'il s'engageait lorsqu'il était goy encore, parce que Shalom Enatken Kima, parce que, en fait, c'est une règle générale, en fait, on peut la tirer tout de suite, c'est que si on fait un contrat entre nous, dans une situation, après les données, elles changent un peu, et on continue sans préciser, on continue avec les intentions sur le premier contrat qu'on a eu entre nous. Ouais, c'est-à-dire fréquent, de manière générale, en Mishpat, c'est le même principe aussi. C'est que si on fait un contrat de location, par exemple, pour une durée limitée, et puis après, le temps passe. On reste avec les mêmes conditions. C'est une règle générale. Almenat, Aldat, Rishona, on reste toujours avec Almenat Ken Kima, avec intention du premier engagement. On reste tant qu'on ne précise pas le contraire, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.